Au niveau des subgonflables, la F1 a frappé fort, hein, parce que là, il y a une gamme complète. On va de la 8.5 hein, en premier plan, qui est plutôt une planche kids, voilà, très très léger, petit jouet, on va dire. Ensuite, on a la 9, 10, en 10 et 10.6, gamme traditionnelle, donc avec des épaisseurs variables en fonction de la taille. Vraiment de belles décos qui se font avec le pads. Et c'est vrai que bon voilà, c'est des planches qui bon au niveau de technologie sont abouties, mais avec un très très beau look et une très belle finition. Ensuite au fond on retrouve une 11 Touring, une 12.6, il y a deux modèles en version, avec deux versions. Alors toutes les planches, à part certaines, sont en double pot ou simple pot. C'est-à-dire que là c'est assez simple pour les reconnaître. Ici vous avez une bande double pot uniquement sur cette zone là, dessus, dessous, le reste est sans simple pot, et celle qui est à côté, on le voit, elle est avec des petites rayures partout, elle est double pot sur toute la face, dessus, dessous à 100%. Voilà, donc toutes les planches existent dans les deux versions, sauf la 10.6 ici et la 11 qui n'existe que avec une simple peau, ou plutôt la double peau uniquement en sorte de stringer dessus dessous, voilà. Et donc les autres sont disponibles dans les deux versions, version double peau, on a vraiment au niveau des performances double peau quelque chose qui est effectivement sur l'eau plus rigide et qui a effectivement un résultat un peu plus sympa. Voilà, ça c'est au niveau de la rame, c'est vraiment vraiment bien. Les planches un peu touring ont vraiment une bonne glisse et les rigidités sont excellentes. Voilà, finition parfaite avec ce qu'il faut en petit élastique pour avoir sur le dessus quelque chose pour pouvoir transporter. Bonne poignée, système de gonflage vraiment. Anacao, voilà les Anacao, nouvelle livrée des Anacao, 8.10, 9.10, 9.5. On a effectivement des planches qui sont superbes au niveau de la déco. Là, le pads intégré avec les couleurs, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et au fond, on retrouve la planche, donc il y a un moule qui a été fabriqué pour cette planche, mais nouvelle déco avec toujours la poignée spéciale qu'Afon a développée, un pads intégré moulé qui est superbe aussi.